quand les premiers humains sont-ils arrivés en Amérique du Nord? Ariane Burke et Lauriane Bourgeon ont prouvé qu'ils étaient déjà présents au Yukon il y a 24 000 ans. Alors, le contexte de notre découverte, ce sont des fouilles qui ont eu lieu dans deux grottes sur trois grottes qui font partie d'un paléocarste dans le Yukon. Ces grottes s'appellent les grottes du Poisson Bleu et dans les années fin 70-80 du dernier siècle, des archéologues du Service archéologique du Canada ont fouillé ces lieux et ont découvert des couches d'ossements mélangées à des outils en pierre, donc taillés de la main de l'homme. Les ossements présents sur le site proviennent d'animaux et les datations faites à l'époque montrent que certains ont plus de 24 000 ans. Pour Jacques Cinq-Mars, l'archéologue qui mène alors les fouilles, cela montre que des humains étaient présents au Yukon bien avant l'avènement de la culture Clovis, apparue il y a 13 000 ans et longtemps considérée comme le premier peuplement américain. Mais il ne parvient pas à prouver hors de tout doute que les ossements datés sont bel et bien liés à une présence humaine. Trois décennies plus tard, Ariane Burke et Lauriane Bourgeon ont décidé de reprendre l'enquête. La collection faunique des grottes du Poisson Bleu se trouve au Musée de l'Histoire à Gatineau. Lauriane et moi avons été recueillir cette collection et elle a passé 3 ans à lire la surface de l'os de 36 000 fragments. Alors on cherche des traces de découpe ou des traces de dépeçage ou des traces de désarticulation pour prouver la présence de l'humain. Après plusieurs années de travail très ardu, elle a réussi à identifier une vingtaine d'ossements qui portaient des traces indiscutables d'activité humaine. Nous avons alors envoyé ces ossements au laboratoire de Oxford, où Thomas Heim nous a aidés et a daté 6 de ces ossements. Alors les dates nous sont revenues, et effectivement, ça c'était la grande découverte, c'est la confirmation que des ossements qui portaient des traces d'activité humaine avaient des dates qui s'échelonnaient entre 24 000 et 12 000 ans avant le présent. Ce qui prouvait donc l'hypothèse d'une première présence de l'humain aux Amériques avant le seuil Clovis et pendant la dernière ère glaciaire. Grâce à leur nouvelle analyse des ossements des grottes du Poisson Bleu, Ariane Burke et Lauriane Bourgeon ont donc découvert les traces les plus anciennes d'une occupation humaine au Canada et possiblement en Amérique du Nord. On était très très contentes. On était ravis de pouvoir annoncer au monde que ce site était, comme l'avaient annoncé les archéologues qui l'avaient fouillé, effectivement un site qui datait du dernier maximum glaciaire.